sommes des gérants, nous sommes, nous, qui servons le Seigneur. Nous sommes des gérants. Dieu nous a confié ses affaires. Amen. Amen. Et nous savons que nous sommes dans les affaires des âmes. Amen. 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 Et Dieu nous a confié ses affaires. Et la Bible dit que ce qu'on demande des gérants, tout avec ton voisin, dit ce que Dieu te demande, ce que Dieu te demande, c'est que tu sois trouvé fidèle. Que tu sois trouvé fidèle. Donc Dieu veut que nous gérons ses affaires d'une manière fidèle. Amen. Amen. Et s'il y a une chose dont un gérant a besoin, c'est du leadership. Il a besoin d'être un bon leader. Et aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de partager sur la chaise du leader. Dieu nous a confié la chaise du leader et nous devons nous asseoir sur cette chaise-là pour pouvoir être fidèles dans les choses du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons déposé nos Bibles, on va élever nos mains et nos voix vers le Seigneur et on va prier. Alléluia, que le Seigneur nous permette de saisir ce qu'il veut que nous saisissons aujourd'hui. Parce que si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a préparé cela pour toi. Amen. Amen. Et tu sais, si tu prends ceci et tu le mets en pratique, tu vas voir le fruit de cela et tu vas grandir dans les choses du Seigneur. Amen. 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 Donc, on va élever nos voix vers le Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père, nous venons, Papa, en ce moment pour te dire merci. Merci d'avoir guidé nos pas jusqu'à ce lieu. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir gardés. Merci d'avoir pourvu à chacun de nos besoins, Papa. Mais alors que nous sommes dans ta maison présentement, notre désir c'est d'entendre de ta part. Ô Seigneur, oins-moi le prédicateur afin que je donne cette parole, Papa. De la manière comment tu veux que ton peuple l'entende. Donne-nous tous aujourd'hui d'avoir une oreille ouverte pour entendre la parole de Dieu. Donne-nous d'avoir un cœur réceptif à ta parole, Père. Et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur, Papa, et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, nous voulons être de bons dispensateurs des grâces et des bénédictions que tu nous as données. Père, donne-nous, Seigneur, d'être attentifs à ce que l'Esprit va dire à l'Église, afin que nous puissions prendre ces choses et mettre en pratique et faire exactement ce que tu veux que tu nous fassions dans notre génération. Seigneur Jésus, c'est en ton seul nom que nous avons prié. Si l'Assemblée de Dieu peut dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, si on peut battre le même coup. Alléluia, alléluia, alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Je vois que je n'aurais même pas besoin de trop utiliser le micro aujourd'hui parce que ma voix peut porter assez loin. Amen. Amen. Alors, je vais d'abord poser une question, et puisque c'est faisable avec le nombre de personnes qu'on a, je vais poser la question, qu'est-ce que le leadership? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer? Qu'est-ce que le leadership? C'est vrai, on entend beaucoup parler de cela, leadership, leadership, leader, mais qu'est-ce que le leadership? Ah ok, on me dit que le micro c'est pour la caméra, c'est ça? Ok, donc on va garder le micro pour la caméra. Qu'est-ce que le leadership? Qui veut s'essayer? Alléluia. On va essayer? D'accord. Ok. Je crois qu'en anglais, leader, ça veut dire conduire. Et leadership, c'est conduire. Et pour conduire, il faut avoir un but, une direction, un objectif. D'un point de départ, un point d'arrivée. Et dans le Seigneur donne le point de départ, de naître de nouveau, etc. Alors, le leadership, c'est d'être conduit. Et nous savons que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Ok. Le leadership, il y a un mot que j'ai aimé là-dedans, c'est conduit. Conduit. Et globalement, c'est vraiment ça le mot clé, en fait. En fait, le leadership, c'est l'art d'influencer. Là, de pouvoir être une influence à l'endroit où on se trouve, que ce soit dans ton à ton lieu de travail, à ton école, ou bien même à la maison, avec des frères, des sœurs. Et Dieu nous appelle à être des leaders, parce que la Bible dit que nous serons toujours la tête et non la. Amen. Donc, dans notre école, ce n'est pas à nous de suivre ce que le monde fait, mais c'est à nous de montrer la voie. Amen. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Donc c'est à nous de montrer la lumière au monde, à ceux-là qui sont dans le ténèbre.
Donc, nous sommes appelés à être des leaders. Donc, le leadership, c'est l'art d'influencer. Et une autre personne a défini cela comme la capacité à créer un monde auquel les autres veulent appartenir. Et moi, j'aime bien cette définition. La capacité à créer un monde auquel les autres veulent appartenir. Vous savez, un bon leader, ce n'est pas un dictateur. Ce n'est pas quelqu'un qui force les gens à venir ou bien à suivre la direction qu'il veut prendre. Un bon leader, c'est quelqu'un qui, quand les gens le voient, ils ont été attirés, ils veulent appartenir à ce qu'il est en train de faire. Ils veulent prendre part à cela. Et moi, je trouve que c'est une très bonne définition. C'est la capacité à créer un monde auquel les autres veulent appartenir. Ok, pourquoi est-ce que nous avons besoin de leadership? Pourquoi avons-nous besoin de leadership? On a besoin de leadership, juste un leader pour nous conduire, parce qu'un leader, c'est une personne qui a la responsabilité de mener un groupe là-haut, et lui, il voulait. Alors, il suffit que le groupe accepte ce qu'il faisait, et le groupe lui appartient. C'est comme lui, il conduit le groupe là-haut, il voulait. Et c'est sûr, le leader, en fait, il est appelé à conduire. Mais en fait, peut-être j'ai mal exprimé ma question. Parce que la question, en fait, c'est pourquoi tu as besoin d'être un leader. Ce n'est pas pourquoi nous avons besoin d'avoir un leader, mais pourquoi tu dois. Parce que nous sommes tous appelés à être des leaders. Amen. Alors, pourquoi est-ce que tu dois être un leader? Je crois que chacun ici devrait avoir une réponse pour cela. À moins que les gens doutent encore s'ils doivent être des leaders ou pas. Ok, frère Brunel. En fait, je dirais qu'on a tous besoin d'être leader, c'est ça la question? En fait, c'est parce que chacun de nous a une certaine responsabilité. Donc, le leadership, ça prend vraiment la responsabilité parce que c'est pas n'importe qui peut diriger, conduire des gens comme ça. C'est ça. En fait, le leader, c'est ça, c'est le thème aussi, responsabilité, c'est parce que nous avons des responsabilités. Et si tu veux mener cette responsabilité, comme le frère l'a dit tantôt, du point de départ au point d'arrivée, ben, il faut avoir du leadership pour l'y amener. Et est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Pourquoi est-ce que, frère Tukens, pourquoi tu dois, voilà, maintenant je pointe les noms, pourquoi est-ce que tu as besoin d'être un leader? Tu peux élaborer? Vas-y, bon, mais trop, ne l'élabore pas trop. Je cherche plus les mots clés. Disons qu'on est tous, pour pouvoir travailler en équipe, on a besoin que quelqu'un puisse nous donner une direction et plus le groupe grandit, plus les personnes qui s'en viennent ont besoin de quelqu'un pour pouvoir leur donner de la direction. Par exemple, vous avez eu de la direction du pasteur Kaouzi et après, nous sommes venus et vous êtes en train de nous donner une direction. Et nous aussi, à notre tour, pour ceux qui s'en viennent, il faut falloir que nous leur donnions une direction pour que nous puissions travailler plus en groupe. Sinon, tout le groupe va être éparpillé partout. Donc, chacun en retour doit pouvoir être capable de donner une direction à ceux qui s'en viennent. D'accord. Et globalement, si je devais mettre un mot par rapport à cela, si je devais la paraphraser, ce serait parce que nous avons toujours quelqu'un qui nous suit. C'est ça. Parce que nous avons toujours quelqu'un qui nous suit. Tu sais, peu importe ta position, il y aura toujours quelqu'un qui va te suivre. Peut-être ça peut être tes amis, peut-être ça peut juste être ton petit frère, mais il y aura toujours quelqu'un qui va regarder vers toi et ça prend justement que tu aies l'attitude d'un leader, amen, que tu puisses donner la direction. Regardez, ça prend du leadership pour progresser à l'école, amen. Amen. C'est si tu n'as pas de leadership, tu ne vas pas progresser à l'école. Tu vas finir par abandonner. Ça prend du leadership. Ça prend du leadership également dans son école pour influencer ses camarades. Si tu n'as pas de leadership, tu vas juste toujours te laisser influencer par les autres. Et tu vas commencer à vivre selon les tendances et les choses du monde. Quand tu vas voir telle personne faire telle chose dans le monde, tu vas aussi vouloir le faire parce que tu n'as pas de leadership. Ça prend du leadership pour trouver un emploi. C'est pour trouver un emploi, ça prend du leadership. Je sais qu'il y a certains qui pensent que je vais juste rester chez moi, prier, et on va m'appeler pour recevoir l'emploi. Tu sais,
très souvent ça n'arrive pas. Tu peux rester pendant longtemps et on ne t'appelle pas. Parce que ça prend que tu te lèves et que tu ailles chercher, que tu ailles essayer d'atteindre ce but-là. Et ça prend du leadership. Amen. Amen. Et ça prend du leadership pour trouver une femme. Amen. Amen. Ça prend du leadership pour trouver une femme. Et pour, si tu restes juste là, tu crois que bon, elle va venir me trouver parce que j'ai de beaux yeux. Ben, tu peux souvent attendre pendant longtemps. Amen. Amen. Tu peux attendre pendant longtemps parce que ça prend du leadership pour cela. En fait, il faut que cette sœur-là, que quand elle te voit, elle a envie d'appartenir à ton monde. Elle se dit que non, je sais que si je suis avec lui, je vais être mieux. Amen. Amen. Si tu n'es pas capable déjà de te gérer toi-même, ce que elle aurait du mal à croire que tu pourras gérer une famille. Donc ça prend du leadership pour cela. Amen. Amen. Et ça prend du leadership pour accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée. Regardez, dans Matthieu 28, verset 19, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Donc nous avons reçu cette mission. Amen. Amen. Et quand on dit de faire des disciples, ça veut dire d'aller chercher des gens qui vont commencer à suivre également le Seigneur Jésus comme nous suivons le Seigneur. Amen. 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 Mais tu sais, pour qu'ils suivent le Seigneur, il faut qu'à un certain moment, ils te suivent d'abord. Amen. 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 Vous savez, quand tu vas parler de Jésus à des gens, ils ne vont pas directement voir Jésus. La première personne qu'ils vont d'abord voir, c'est toi. C'est ça. Amen. Et si ils ne sont pas capables de voir ta vie et de vouloir appartenir à quelque chose de pareil, ils ne vont jamais suivre le Seigneur. Non. C'est pur. Paul a dit ceci, « Soyez mes imitateurs. » Il dit, « Comme j'imite Christ, soyez mes imitateurs. » Et les gens du monde, ils ont besoin de voir des chrétiens et de regarder et de dire, « Je veux faire partie de cela. Je veux aller dans son église. Je veux vivre de la manière comme il vit. Je veux servir le Dieu qu'il sert. » Parce que ce n'est qu'au travers de cela qu'ils vont venir au Seigneur. La Bible dit que, c'est Jésus qui encore dit cela dans Matthieu chapitre 5, il dit que votre lumière luise parmi les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Donc en fait, ils doivent voir vos œuvres. Amen. Ils doivent les voir. Tu dis, oh non, regarde Christ, ne me regarde pas. Écoute, ils vont d'abord te regarder. Ils ne peuvent pas voir Christ. Ils vont d'abord te regarder. Et s'ils ne voient pas cela en toi, très souvent, ils ne vont pas voir le Seigneur. Vous savez, le salut d'une âme, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça prend du leadership. Pour faire un disciple, ça prend du leadership. Amen. 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 Et un homme a besoin de leadership. Vous savez, très souvent, en fait, la Bible dit que l'homme, c'est le mari, c'est le... C'est le chef de la famille. Mais la Bible parle aussi de chef. C'est le chef. En fait, le mot en hébreu, là, c'est la tête, en quelque sorte. L'homme, c'est le chef de la femme. En fait, la Bible dit d'abord que Christ, c'est le chef de l'homme. Et l'homme, c'est le chef de la femme. Donc l'homme, en fait, chez lui, il est censé être le chef. Mais un chef comme Christ. Amen. Un chef qui est prêt à se sacrifier pour son épouse. Mais vous savez, la position dans laquelle il se trouve, c'est une position où il a besoin d'être un leader. Parce que s'il n'est pas un leader, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ben, la femme risque de venir s'asseoir et prendre la place, la chair du leader. Parce qu'il faut un leader pour que les choses avancent. Amen. 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 C'est si tu es un homme, tu restes juste chez toi et que tu regardes la télé en mangeant des pop-corn. Écoute, la femme va prendre la chaise du leader. Parce qu'il faut que les choses avancent. Amen. Amen. Donc ça prend du leadership. Et le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de partager 6 caractères ici dont nous avons besoin de développer pour avoir du leadership. Vous savez, le leadership, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas quelque chose... Je sais qu'il y a des gens qui naissent avec certaines habiletés de leader. Mais vous savez, l'habileté, ça ne suffit pas. Si tu ne travailles pas dessus, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas réaliser que le peu que tu as reçu ne va pas t'amener bien loin.
Et d'autre part aussi, si tu réalises que tu n'as même pas d'habilité de leader, ben, tu peux travailler dessus et être un leader. Amen. Amen. Et il y a vraiment six. Il y a six choses que le Seigneur m'a mis à cœur, que si nous travaillons dessus, nous allons être des leaders. Amen. Nous allons être des leaders. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent être de bons leaders, de bons gérants des choses que le Seigneur nous a données? Amen. Donc, on va parler de ces six choses.